pour bien aller. C'est le seul capable. Il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre. Le Camerounais, non. Oui. Vous allez tout nous montrer. Oui. Si tu n'es pas Camerounais, non. 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 Hey, hey, hey. Yes. Maman, le cercueil de quelqu'un. Oh, les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. C'est l'occasion pour Patrick Hachi de marquer une escale pour s'enquérir auprès de l'agence de gestion des routes, maître d'ouvrage délégué, de l'état du chantier du nouveau pont. L'ouvrage en construction va mesurer 112 mètres de long. À ce jour, le taux d'avancement est estimé à 73% pour une livraison prévue d'ici décembre 2023, conformément au délai prescrit. Les travaux sont prévus durer 24 mois. C'est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. De façon précise, entre Diokoué et Giglo, nous avons 35 km qui sera entièrement réhabilité. Et ensuite, entre Giglo et Brolequin, ce sont 3 km. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à Brolequin, on peut complètement poursuivre sur tout le pleu et, la frontière donc du Libéria. Pour les populations de la région du Cavali, c'est le début du soulagement. Ces gens d'investissement qui avaient cessé d'exister depuis la gouvernance du patriarche Félix Houphouët-Boigny, alors nous allons demander à la population qui dit mieux, qui dit mieux. Qui peut faire mieux que Alassane Ouattara et son gouvernement ?